Maman, pourquoi tu vas pas l'air dans le salon? C'est plus confortable. Mais non, j'ai besoin de place pour prendre des notes. C'est pas évident de traduire des textes juridiques en arabe. Putain, Ando non plus a pas l'air de trouver ça évident. Et puis as-tu bientôt fini avec l'ordinateur? Je vais en avoir besoin. Ouais, je vais juste regarder si les dates poitras ont des nouvelles dates de concert. Quoi? C'est pas vrai? Hein? Quoi encore? Qu'est-ce qui est pas vrai? Kevin vend son clavier, 150$, ça me le prend absolument. Kevin Minda, je le connais? Ben oui, c'est le clavieriste du groupe, là, je t'en ai parlé 100 fois. Ah oui, oui, je me souviens. Mais attends, je savais pas que tu avais 150$ à dépenser. Ben, pas vraiment, là, mais si j'appelle pas tout de suite, je rate la chance de ma vie. Allô? Est-ce que je parle à Kevin? À Kevin? Kevin Rochon des Datoitras? Oui, ok, trop cool. Moi, en fait, je m'appelle... Sammy Mazari. Je m'appelle Sammy Mazari, puis... non, Sammy Mazari, oui, j'appelle pour le clavier. Et Vincent, je sais pas si t'avais quelque chose de prévu aujourd'hui, mais t'as pas le choix de l'annuler. Non, c'est plate, j'avais prévu de me faire déranger par toi. Mais vu que je dois annuler... Bye bye. Make a bot, Prototron! C'est aujourd'hui qu'on regarde la série, parce que Paco, mon ami de face de geek, qui me l'a prêté, il veut la revoir demain. Ça veut dire qu'il faut se taper 13 épisodes aujourd'hui. Vincent, pour vrai, ça fait 2 semaines que je te dis je veux regarder la série, puis toi, à chaque fois, tu me fais « Ah non, attends-moi! » Ouais, j'avoue. Puis en plus, sur Face de Geek, c'est hyper mal vu de pas regarder les DVD qu'on emprunte, là. Pis si j'y demande un délai, je vais en entendre parler jusqu'à la fin de mes jours. T'exagères pas un peu, là? Fais donc ce que tu veux. De toute façon, maman, t'avais pas demandé de faire le ménage de ta chambre? Ah, oh, c'est vrai! Mais ta série a tellement l'air intéressante, je serais fou de pas la regarder avec toi, hein? Ouais, ouais. Ça va, Habibi? La dernière fois que je t'ai vu nerveux comme ça, tu avais 5 ans et tu allais te faire vacciner. Nerveux, moi? Non, non. C'est pas parce qu'un des musiciens que je respecte le plus s'en vient chez nous que je suis nerveux. Voyons. Si ça te stresse autant, je peux lui parler, moi, à ton couvoun. Non, non, c'est Kevin. Puis il faut que ça soit moi qui lui parle, sinon, il va pas me prendre au sérieux. Ah, mais je veux rester ici, pas loin, hein, au cas où! Mais tu le veux où, clavier? Oui, excuse-moi. Ah, juste là, ouais. Moi, c'est Mazari. C'est Samy. Ah, enchanté. OK. Fait que c'est 150$ pour Harmony. Quoi? Harmony? Ben, Harmony, c'est le nom de mon clavier. C'est ma première blonde. Mais fais bien attention, hein. Oui, c'est cool, c'est trop cool. Écoute, j'ai juste 50$ sur moi en ce moment. Je te promets que je te donne le reste à la fin de la journée. T'as pas d'argent. Tu me niaises, là? Non, mais si tu reviens, mettons, je reviens à 2 heures. Pas plus tard. Habibi! Tu m'as pas présenté ton copain! Maman! C'est juste trop cool! Coudon, avoir su que ça te rendrait heureux comme ça de faire le ménage à tes tiroirs, je t'aurais demandé bien avant. Ah ben non, pas le ménage! Quoi? Les cartes de fête! Oh! Les cartes d'anniversaire que ta grand-mère t'a données. Tu les avais gardées? Ouais, mais c'est surtout ce qu'il y avait dedans. Oh, wow! T'avais pas dépensé l'argent de ta grand-mère pendant toutes ces années-là? Non, j'avais comme oublié l'argent dans les cartes de fête. C'est drôle, hein? Mais là, 100$, c'est un gros montant. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Hey, les gars! Je suis millionnaire! Ah, ouais? J'ai une idée pour toi. Tu pourrais aller déposer à la banque. À la banque? Ouais, j'ai pas 50 ans. Oh, tu vas voir, pareil que le premier épisode, il est écœurant. Hey, c'est écœurant! Une minute, là. Qu'est-ce que vous regardez? Ça s'appelle Mechabot Prototron. C'est un dessin animé japonais. Ça raconte l'histoire d'un petit... Des gros lasers, des gros tentacules, une coupe de grosses explosions. En gros, ça peut juste être malade. Est-ce que le coffret est à vendre? Parce que... l'achète! Ah, je suis désolée, les garçons, mais pas peur que ça attende un petit peu parce que j'ai besoin du lecteur DVD pour mon Tai Chi. Pour Tai Chi? Depuis quand tu fais du Tai Chi? Depuis maintenant, là. C'est un DVD d'initiation. Puis si ça m'intéresse assez, je vais m'inscrire à un cours au centre de sport. Ça doit être Paco. Ah, c'est ça. Non! Quoi? Mais là, Paco, il s'attend à ce que je livre un petit compte-rendu de la série sur le site de Face de Geek. Compte-rendu? Face de Geek donne des devoirs? Là, il veut que je fasse ça pour asseoir. Non, maman, c'est vraiment impossible. Il faut que je regarde la série maintenant. Tu peux m'attendre une petite heure. Puis toi, t'as pas du ménage à faire, mon beau Vincent? S'il te plaît, maman, c'est une question de geek ou de mort. Hey, Francis, c'est pas mal dans le trouble. J'ai pas le choix de l'aider dans son devoir. Alors dis-moi, Kevin, c'est quel genre de musique que joue ton orchestre, les foie gras?
poitras, maman, les dents de poitras. Ah non, mais c'est pareil. C'est du punk ou du Hervé Metal? Non, on fait plus dans le néo alternatif à tendance trash. Oui, bien sûr. OK. Moi, j'y vais. N'oublie pas Mazari. À 2 heures, c'est que l'argent. Ah. J'en viens pas, Harmonie, t'as moi. Ah non, 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 pas touche. Il est pas encore à toi. Mais maman, il faut quand même que je l'essaie. C'était avant qu'il fallait l'essayer. Avant de donner ton argent à Kivun. Oui, mais j'aurais l'air de pas lui faire confiance. Et tu n'as même pas négocié le prix du clavier. Maman, c'est un clavier légendaire. On peut pas négocier le prix d'une légende. Habibi, je sais que tu respectes foie gras, mais je sens que tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce. Non, 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 ce sera pas nécessaire. Mais si, ça va me faire plaisir. Alors quand ton Kivun va revenir, je vais le négocier, moi, le prix du clavier. Et où est-ce que tu comptais trouver l'argent qu'il te manquait, hein? Fais-en pas, je vais trouver. Puis j'aurais peut-être même pas besoin de marchander. Là-bas, là, ça va être plus prudent. C'est sûr que ça te dérange pas de nous laisser le salon? Ben là, si c'est pour vous voir rôder autour de moi comme des mouettes, je me souviens que vous laissez la place. Hein? Merci beaucoup, ma belle maman d'amour. J'y vais! Vincent, tu devineras jamais. Kevin m'a vendu son clavier, le clavier des Dead Poitras. Bonjour à toi aussi. Cool, félicitations. Et tu l'as eu à combien? Et c'est justement ça le problème, là. Il me manque un petit 100$. Mais c'est justement le prix que je vends ma guitare. Tu pensais quand même pas me la vendre à moi? Je sais même pas faire Au clair de la lune à la flûte à bec. Ben non, voyons. Non, je pensais plus à Francis, hein? Ah, bon, tu te trompes de gars, là. Je suis surface de geek. Moi, je suis pas surface de geek. Ouais, mais tu sais, la guitare, ça pas super gros près des filles. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point, ça. Ah ben parfait, à ce prix-là, je te donne l'ampli en plus. Ouais, mais t'as pas, j'ai dit que t'avais un bon point, j'ai pas dit que j'avais l'argent pour l'acheter. Allez, Samy, il va falloir que tu continues ton porte-à-porte. Ah, moi, je te l'achète. Allô, Samy? T'es sérieux, Julie? Ben ouais, maison. Elle est plus belle que celle de Guitar Champion. Oui, sauf que c'est pas mal plus facile de jouer sur une guitare de jeu vidéo. Ah ben, je vais l'essayer, si j'aime ça. Passe-moi là. C'est parce qu'on avait prévu se faire un marathon DVD, moi et Francis. Ah ouais, mais de toute façon, l'ampli est chez nous. Fait que tu peux aller chez nous, là, on va l'essayer tant qu'on veut. Est-ce que c'est correct? Oui, écoute, si tu penses être capable de donner la piqûre, allez-y, bonne chance. Yes! Oh, Samy, peux-tu faire le message à ta mère que je me cherche une partenaire de Tai Chi? J'ai une vidéo qu'on pourrait regarder ensemble si ça y tente tantôt. Ah oui? Écoute, je suis sûr que ça pourrait l'intéresser. OK, bye. Attends. Mazari. Bonjour, Julien. Tu nous amènes de la visite, Boulboul? Pas seulement de la visite. Je te présente le nouveau propriétaire de ma guitare. Attends, j'ai bien compris. Tu veux te débarrasser de ta guitare? Oui, oui, mais en fait, c'était ça ou je dévalisais une banque. Mais t'aurais pas été fier de moi, hein? Bon, bouge pas, là, je vais chercher mon ampli. OK. Faites-vous-en pas, Madame Mazari. Je vais lui passer quand il en aura besoin. Ou lui la louer. Et avec quel argent tu comptes acheter la guitare de mon Boulboul? Ben, avec celui-là. Attends, ta maman te laisse te promener avec autant d'argent liquide? C'est louche. Mais c'est pas louche, c'est l'argent de ma grand-mère. Si tu le crois pas, tu peux toujours demander à Sam. Oui, c'est une bonne idée, ça, je vais l'appeler. Alors, mais pourquoi tu vas pas l'avoir directement? Ah, elle se cherchait une partenaire pour faire du tai chi. Du tai chi? Mm-hmm. Ouais, tu te plaignais ce matin que t'avais mal au dos. Le tai chi, là, ça doit être super bon pour ça. Ouais, c'est vrai que ça pourrait me faire du bien, mais je peux pas. Parce que quand ton Kevin va revenir, qui va t'aider à négocier le prix de ton clavier? Ben écoute, maman, si je suis capable de vendre une guitare en même pas une heure, je suis capable de négocier le prix d'un clavier. Ouais. Bon. Alors, tu m'appelles si tu as un problème, parce que c'est Julien. T'inquiète pas. Hey, qu'est-ce que tu fais? Excuse-le, Harmonie, il n'a pas fait exprès. C'est qui, Harmonie? Relax, là. C'est pas le gros écran de télé, mais c'est juste en attendant. Non, non, c'est pas pareil, là. Ah non! Ça veut dire quoi, ça? Mais là, c'est un DVD japonais. Ah, ça veut dire qu'il faut aller au Japon pour l'écouter. Ah, on n'a pas le temps, le bonhomme, hein? Mais non, là, ça veut juste dire que mon ordi, il peut pas le lire, puis ça nous prend un lecteur qui est capable de lire un DVD japonais. Puis je te gâche que ce lecteur-là est en train de donner un cours de tai chi dans le salon. C'est en plein ça. Ça va être encore pas cool, là. Non, il est dans l'intense, lui. Désolé, les gars, vous avez coupé votre fun, mais Fatima pouvait pas revenir plus tard. Ah, ça fait rien, voyons.
en attendant, Vincent, si jamais là, l'envie te prend de ranger ta chambre, hein, tu te gênes pas, hein? Ah, j'aimerais beaucoup ça, là, mais on a bien du rattrapage à faire, donc. Mm. En tout cas, c'est gentil de faire ça pour Fatima. Ça va l'aider avec ses maux de dos. Mm. Quand je pense à ça, là, est-ce que le tai chi, c'est vraiment bon pour le dos? C'est vraiment là. Puis, le tai chi, comment ça se passe? Très bien, merci de t'en soucier. Mais moi, je suis pas sûr que les arts martiaux puis les mots d'eau soient un très bon mix. Ah non? Qu'est-ce que tu fais là, les arts martiaux, toi? Là, j'ai pris des cours de karaté. Donc, t'avais 8 ans, t'as même pas fini ta ceinture jaune. C'est vrai. Mais je pense que ce que Vincent veut dire, c'est que il y a sûrement plein d'autres sports autres que les arts martiaux qui sont bons pour les courbatures. Mm. La natation, par exemple. Mm. Merci, les garçons, de vous préoccuper de notre bien-être, mais on n'a pas nos maillots, puis pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment du tai chi. OK. Mais à ce que je vois, le tai chi, ça se pratique juste en extérieur. Hein? Bel essai. Et pour l'instant, je te ferai remarquer qu'on a besoin du DVD. Mais avant de commencer, avez-vous fait des étirements? Le tai chi, c'est juste ça, des étirements, Vincent. Alors, des étirements avant les étirements, hein? C'est méga important. Suivez-moi. Mettez vos bras jusqu'en haut. Et toi aussi, maman. Hein? Et on va descendre jusqu'en bas. On peut remonter, là! Hein? Et on remonte doucement. Fais-tu bien? Maman, ça va? Hein? Je peux essayer maintenant? Ben, c'est toi le client. Yes! Hey, ça sonne bien? Ah ouais, ça pour sonner, ça sonne. C'est bien le fun, une guitare, mais c'est pas une matraque, hein? Ben là, c'est ma guitare, je fais ce que je veux avec, là. OK, je sais que c'est bien le fun de brasser la guitare, mais laisse-moi au moins te montrer un accord. Et pourquoi? Mais pour que quand tu joues, ça fasse un autre son que le son d'un walkie-talkie qui explose. Ben, je préfère jouer de même! Ça va? Comme oui, ça va? Non, ou... ben si on va non, plus loin. Ça va pas ça, voyons. Ouais, mais toi, petits étirements niaiseux, hey. C'est bon. Oh, écoute, ça va déjà mieux. Oh, ouais, tu fais juste semblant. Ben là, puis vous autres, vous étiez subtils comme deux dirous à trouver des excuses pour me faire sortir du salon. Quoi? C'est même pas vrai. Ah, jamais. Bon, les garçons, pourquoi vous n'allez pas regarder votre série chez moi? Avez-vous un lecteur DVD qui lit les DVD d'autres pays? Mais bien sûr, je reçois plein de films de ma famille d'Égypte. Ah, mais c'est génial, ça. Mais je sais pas comment ça fonctionne, hein. Tu demandes à Samy, il va tout t'expliquer. Ah oui, Vincent, on y va. Go. Merci beaucoup, Mme Azari. Plaisir. Super, je dis. Comme ça, on risque d'être tranquille pour un bon moment. OK, let's go, tranquille. Prête? OK, on commence. Bon, c'est pas un super moment pour écouter un DVD, là. Kevin s'en vient bientôt, puis il faut que je m'occupe de Julien. Mais on sera pas là longtemps, là. Deux épisodes, gros max. Puis on a 12 000 manettes, puis je sais jamais laquelle prendre. Puis le guitariste, quand est-ce que tu pars ton band? Ah, ben, je suis prêt. Tu suis m'accompagner au clavier? Pourquoi? Yes! Ça marche! Yes! Make a rock up front! Vincent, touche pas à Harmonie, s'il te plaît. Harmonie? C'est le nom du clavier. Ouais, touche-y pas, OK?
OK, je savais pas que t'étais possessif de même. Hey, mais sérieux, est-ce que ça se peut que le clavier que Kevin essaie de te vendre soit défectueux? Quoi, Samy, il y a comme un problème de sous-titre, là, je comprends rien. C'est impossible. Ça sonne tombé mal! C'est toi qui as fait ça? Mais non, non, c'est ce que je te dis depuis tantôt, là. Les touches sonnaient déjà mal avant que le clavier tombe par terre. Non. Ça se peut pas, là. Kevin m'aurait jamais vendu un clavier défectueux. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu le connais bien, toi, Kevin? En tout cas, moi, je le connais pas bien, Kevin, mais j'ai pas envie d'être là quand il va savoir que j'ai fait tomber son clavier. Prends ça. Bye! T'achètes pas ma guitare, Julien! Qu'est-ce que tu fais? Julien! Samy, j'ai trouvé la bonne télécommande pour les sous-titres, c'est celle-là. Ah, mais je me sens beaucoup plus souple que ce matin, hein? Quand est-ce qu'on s'inscrit à cours de Tai Chi? Ah, déjà de retour? Julien, il est allé au Carrefour 2000, il est allé faire du magasinage, il va revenir bientôt. Comment ça, faire du magasinage? J'achète plus la guitare de Samy? Mettons que son plaisir pour la guitare, comme, tombe à plat. Mon Julien au Carrefour 2000 avec 100$ dans ses poches, un plan pour qu'il achète n'importe quoi. Mais si Julien n'achète pas la guitare de Samy, ça veut dire que... Que Samy aura pas assez d'argent pour acheter le clavier. Mais de toute façon, il t'avait de se faire avoir solide. Attends, tu penses qu'il pourrait se faire arnaquer? Ah non, j'y vais. Bon. Il y a des bonnes chances. Mais moi, je vais au Carrefour 2000 pour être sûr que Julien fasse pas de folie. Les gars, profitez-en. La télé est à vous. Dépêche-toi, Francis. Les robots géants se peuvent plus nous attendre. Ouais, mais ça presse plus. J'ai texté Paco, là, j'ai dit que j'aurais pas le temps de terminer la série. Puis les gens de Face de Geek, mais ils penseront bien ce qu'ils voudront. T'abandonnes. Juste demain. J'avoue que ça sera pas facile de se taper 13 épisodes en moins d'une heure, mais est-ce que c'est impossible? Selon mes calculs... Non, c'est pas impossible! Fait que va mettre le DVD dans ce lecteur-là, puis on va se taper tous les épisodes de Mechabo Prototron comme des brutes. Est-ce que t'es une brute? Ouais. Non, j'ai pas compris. Est-ce que tu es une brute? Mon Dieu, je savais que tu voulais regarder la série, mais pas ce point-là. J'ai juste pas envie d'avoir passé mon samedi à courailler pour rien. OK, mais avant, on va se faire du popcorn, OK? Parce que j'ai une petite faim. Mais ça, on n'a pas le temps, là. On regarde la série. On a toujours le temps pour ce popcorn. Oh! Toujours pas répondu à ma question, Mazari. Le prends-tu ou non? Hein? Oui. Mais t'es sûr que tu veux pas un verre d'eau? Non. Sinon, on a du jus. Regarde, je veux juste mon 100$, là. Ouais, parlant de ça, je sais pas si ça tenterait de baisser le prix du clavier. Non. Non, faudrait pas. OK, mais je sais pas si tu sais, mais ton clavier, il est défectueux. Comment ça? Tu vois, là, la note sonne mal. Oui, je vois surtout que tu l'as pété, là. Non, je te jure qu'il sonnait comme ça avant de tomber par terre, là. Oui, mais c'est sûr que tu l'as échappé. Regarde, on va arrêter de niaiser, là. Si tu veux pas me payer, je vais garder le 50$ pour faire réparer l'harmonie, puis je repars avec. Quoi? Non, mais c'est même pas moi qui l'a brisé, ton clavier. T'as quand même pas l'argent pour me payer. Fait que salut. Ah! Samy! Excuse mon retard, hein? J'ai dû passer au guichet pour aller chercher l'argent que tu m'avais demandé. OK, fait que tu l'avais, l'argent. T'aurais dû me le dire avant. Attends. D'abord, on va négocier, jeune homme, hein? En tout cas, mon grand, je suis pas mal fière de toi. Comment ça? Ben, t'avais un gros 100$ dans tes poches que t'aurais pu flamber n'importe comment, là. Tu t'es retenu? Ben, c'est parce que j'hésitais entre plusieurs affaires. Le skate, la console de jeu, vider le comptoir à jujube du dépanneur. Toutes ces affaires-là coûtaient plus que 100$. Bon, ouais, tu pourrais attendre une coupe d'anniversaire encore, peut-être? Une moto, là, c'est combien une carte de fête? Ah, une moto? Ça, là, ça prend... Une grosse boîte de cartes de fête, là, je te dirais, là. Hein? Puis un vélo tout neuf. Ah, un vélo, ça? Une toute petite boîte, tu sais? Puis un kit de bombes puantes, c'est une grosse boîte ou une petite boîte? Pour ça, là, t'aurais beau avoir toutes les cartes de fête au monde, y a pas question que tu t'achètes un kit de bombes puantes. Ouais, mais mettons qu'on en a besoin, là, à l'école. Oui, me semble. Viens-t'en! Juste pour être sûr, Kevin, est-ce possible que tu essaies de vendre un clavier défectueux à mon fils? C'est 5 fois que je vous le dis.
Pas pantoute. Mais tu reconnais que ces notes sont fausses? Oui, mais si votre fils l'avait pas échappé, là, peut-être... Ça m'a dit qu'il était brisé avant, alors qu'est-ce qui a pu se passer? Je le sais-tu, moi? Est-ce possible que tu aies oublié que le clavier était défectueux quand tu es venu le porter à Sammy? Non, non, ça se peut pas. On comprendrait, hein? N'est-ce pas, Paul, on comprendrait? Certain. Hey, c'est quoi la joke, là? Non, non, y a pas de joke. C'est très sérieux, Caverne. Alors, combien tu penses que ça coûterait faire réparer ces deux notes? Je sais pas. Pas cher, entre 75 puis 100 piastres, peut-être. Tantôt, tu m'as dit qu'avec mon 50$, tu pourrais le faire réparer. J'ai dit ça, moi? Alors, disons 75, on n'en parle plus, hein? 75? Mais comment ça, 75? 150! Moi, le prix de la réparation, ça fait 75! Et je te compte pas les taxes! Mais là, ça n'a pas rapport! C'est pourtant pas compliqué, là. 75, c'est la moitié du prix du clavier en bon état. Ouais, la moitié? Mais pourquoi la moitié? Mais parce que ton clavier est défectueux, il me semble que c'est clair! Ah, sérieux, je comprends plus rien. Ah, je vois que tu es un petit peu mélangé. Alors, on va recommencer! Est-ce possible que tu aies essayé de vendre un clavier défectueux à mon fils? OK, oui, elle était déjà pétée. Ah. Mais s'il te plaît, lâchez ces touches-là, je suis plus capable, je virerai fou. Avant, laisse-moi te faire une proposition honnête. Tu gardes mon 50$, je garde Harmony, je le fais réparer, puis on n'en parle plus. Est-ce que ça te va? OK, OK, c'est bon. Ça paraît fini. Oh! Je commence à le trouver sympathique, ce Kevin. Oh, en fait, tu l'as dit comme il faut. Peut-être pas un geek, là, mais il me semble que... Ah non, je suis d'accord avec toi. C'était un peu... plate. Un peu. J'ai eu des coins avec Madame Préfontaine plus intéressants que ça. Mais c'est peut-être meilleur en japonais. Écoute, là, en langage des signes, si tu veux, là, moi, j'abandonne. Ouais, mais je suis sûr que si je le regarde jusqu'à la fin, je devrais être capable de livrer un bon compte-rendu. Tu veux que je t'en donne un compte-rendu? Ça va être Paco, là, qui répond à mon message texte. Il savait que la série était plate, il voulait savoir jusqu'à combien d'épisodes j'allais t'offrir. C'est une grosse joke! Non, ça c'est chiant. Mais hein, je devrais le poursuivre en justice pour perte de temps précieux. Okay, mais là, on fait quoi, là? On a plein de temps. OK, dans ma chambre, j'ai le coffret de Pyroforce Megazone sur Face de Geek. Ils disent que c'est écœurant. Je pense que j'aimerais encore mieux me taper des DVD de Tai Chi que ça. C'est bon, Pyroforce Megazone. Je pensais devoir vendre ma guitare pour avoir le clavier. C'est juste malade que je puisse avoir les deux. Ah, mais ça, c'est parce que tu as réussi à tenir ton bout devant Kevin, hein? Bravo! J'avoue que ça me gênait un peu que ma mère vienne négocier avec mon idole, mais je me suis rendu compte que Kevin est pas mal moins cool que je pensais. Ah, mais l'important, c'est que tu aies ton clavier, hein? Ou Harmony, si tu préfères. Oh, non, non, non. On oublie Harmony, hein. Maintenant, c'est plus le clavier légendaire des Dead Poitras. C'est le clavier légendaire de Sammy Mazari. Ah, comment tu vas l'appeler? Ah, il te faut un nom cool! OK, maman, ça va bien, ton Tai Chi? Ah non, ça, c'est trop lent, hein? Viens créer ton propre univers de Subito Texto.